Bonjour et bienvenue sur la chaîne Money Collector. Aujourd'hui, nous allons voir une pièce rare de 1 franc. Aujourd'hui, nous découvrons donc la pièce de 1 franc, Chambre de commerce 1920 essai. Cette pièce a un poids de 3,84 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est du bronze alu et le graveur, c'est Domar. Sur le revers de la monnaie, on retrouve Mercure assis de profil gauche, tenant un caducé ailé et appuyé sur un gouvernail, une corne d'abondance à ses pieds. Sous un trait, à l'exergue, on retrouve le millésime 1920 et de part et d'autre de la date, on retrouve la signature d'Omar et l'inscription INV. Au-dessus, en arc de cercle, on retrouve l'inscription Commerce Industrie. Sur le revers, on retrouve au centre la mention bon pour 1 franc en 3 lignes. En dessous, on retrouve les inscriptions BR.AL pour bronze aluminium, le tout dans une rosette. Et tout autour, on peut lire les inscriptions Chambre de commerce de France. La cote de cette monnaie très rare est de 360 euros en état SUP, 600 euros en état SPL et 1500 euros en état fleur de coin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une bonne journée.